Hyasta, une entreprise australienne de technologie d'électrolyseur H2, vient d'être reconnue pour l'efficacité de sa technologie, qui pourrait réduire le coût de l'hydrogène vert. Cette reconnaissance est venue du résultat de la recherche, menée à son sujet dans la revue scientifique Nature Communication. La recherche a confirmé que la cellule d'électrolyse alimentée par capillaire, atteignait une efficacité énergétique de 98% de la cellule. L'efficacité énergétique de 98% de la cellule d'électrolyse alimentée par capillaire est considérablement supérieure à l'objectif de l'Agence internationale des énergies renouvelables pour 2050. De plus, il est également nettement meilleur que la technologie d'électrolyseur déjà existante, en termes d'efficacité. Cette technologie a permis à la production de H2 d'avoir un prix bien inférieur à 1,50 $ le kilogramme. Le H2 renouvelable est largement considéré comme un élément clé des stratégies globales de décarbonation. Il est considéré comme particulièrement précieux dans des secteurs qui seraient autrement difficiles à décarboner, tels que les transports lourds, la sidérurgie et les industries chimiques. La Commission pour la transition énergétique a prévu que la demande en H2 renouvelable atteindrait entre 500 millions et 800 millions de tonnes par an d'ici 2050, afin de répondre aux besoins de ces secteurs spécifiques. Si tel est le cas, cela se traduira par une nouvelle industrie d'une valeur de plusieurs billions de dollars. L'amélioration de l'efficacité de la production sera essentielle pour réduire le coût de l'hydrogène vert. La réduction des dépenses associées à la production de H2 renouvelable est essentielle à la faisabilité de cette source d'énergie. Le prix actuel associé au carburant propre est largement considéré comme trop élevé pour concurrencer efficacement l'utilisation des carburants fossiles. Cela s'explique en partie par le fait que les électrolyseurs existants typiques ne sont pas suffisamment efficaces. Cependant, l'efficacité considérablement plus élevée de la technologie Hyasta pourrait modifier cette tendance beaucoup plus tôt que prévu. Si tel est le cas, cela pourrait accélérer l'utilisation de ce carburant et la décarbonisation de l'industrie lourde dans le monde. La technologie utilisée pour réduire le coût de l'hydrogène vert a été développée par des scientifiques de l'université de Wollongong. Hyasta le commercialise maintenant, avec le soutien de la Clean Energy Finance Corporation et du groupe IP. Merci d'avoir choisi hydrogenfuelnews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN.